Bienvenue dans l'esprit d'actu pour cette seconde partie dans l'entretien avec Jean-Michel Vernochet, consacré à l'affaire Jérôme Cahuzac. Alors bonjour Jean-Michel Vernochet. Bonjour à vous, bonjour à tous. Vous êtes géopolitologue, mais également un observateur euh, attentif de la vie politique en France. Alors Jérôme Cahuzac a fini par reconnaître qu'il avait un compte bancaire en Suisse. Il a donc été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Oui, alors, il, il a avoué, euh, mais contraint et forcé. Euh, ce qui a choqué le plus les Français, d'ailleurs, ce n'est pas tant le mensonge de M. Cahuzac, qui est déjà, euh, qui est déjà révulsant, mais le, le cynisme, l'aplomb extraordinaire Monsieur M. Cahuzac, euh, qui à RTL un matin, euh, euh, les yeux dans les yeux avec l'animateur, lui jurait mordicus qu'il n'avait pas de compte en Suisse, devant l'Assemblée nationale, enfin ce type euh, avait un sang-froid reptilien, comment peut-on mentir avec euh, autant, autant de vergogne Il faut rappeler quand même que M. Cahuzac était un, un, un peut-être pas un intime, mais un très proche de M. Strauss-Kahn, donc il était à bonne école. Alors on a également appris hier dans un article du Monde que le trésorier de campagne de François Hollande en 2012, Jean-Jacques Augier, avait effectué des investissements dans les îles Caïmans. Alors, a priori, euh, M. Auger est libre de ses actes. Pour l'instant, il n'y a rien de délictueux qui soit établi. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'on ait bien souligné qu'il a été le trésorier de campagne de M. Hollande. C'est d'ailleurs l'un de ses amis de 30 ans. Et visiblement, euh, là, on s'aperçoit que cette, euh, cette torpille qui est envoyée est envoyée directement contre la présidence de la République. Alors, il faut se poser question, parce que ce n'est pas l'effet du hasard si cette information est... Révélé euh, au moment de l'affaire Cahuzac. Alors, je ne prends pas la défense euh, de l'environnement de monsieur Hollande, encore que euh, monsieur Augier, on le savait, est un homme qui s'était expatrié en Chine, euh, c'est un homme qui a investi dans l'édition il vient d'ailleurs de racheter le magazine Têtu, le magazine gay euh, Têtu, en janvier, en janvier dernier. Euh, c'est un homme très actif très efficace aussi apparemment, mais euh, qui sentait le soufre comme M. Cahuzac. Il est étonnant que M. Hollande euh, n'ait pas d'autre choix euh, dans, parmi ses amis, ou euh, dans les réseaux qui approvisionne, euh, dans les viviers humains, euh, de ressources humaines, euh, que euh, des Augier et des Cahuzac. Encore une fois, M. Augier n'est euh, soupçonné de... De quoi que ce soit. Ça, ça, il faut bien distinguer les deux, les deux problèmes. Toujours est-il qu'il semble que là, une offensive, une sorte d'OPA, c'est-à-dire d'offre publique d'achat malveillante, soit lancée actuellement contre le pouvoir français. Monsieur Augier est dénoncé aujourd'hui par une organisation internationale de journalistes d'enquête qui est basée aux États-Unis. Si l'on y regarde de près, on s'aperçoit que dans les, dans les sponsors, les mécènes de cette organisation internationale, on trouve le, euh, la, la Foundation for Open Society qui en fait euh, appartient à monsieur Soros et qu'un certain nombre d'autres sponsors et mécènes de cette organisation, de ce consortium international de journalistes d'enquête est soutenu par des, euh, par des mécènes qui eux-mêmes euh, sont soutenus par des, euh, par, euh, des clubs, d'Open society societies, c'est-à-dire toujours monsieur Soros. Alors, euh, je n'ai pas de réponse mais pensez que euh, monsieur Soros est l'homme qui à un moment donné a fait ployer le, le Royaume-Uni qui avait lancé une attaque contre la livre et qui, un homme seul, avec une, une équipe restreinte, à un moment donné, a mis à genoux euh, la, la Grande-Angleterre. Aujourd'hui, on peut se demander quels sont les objectifs poursuivis, euh, qui ne sont pas forcément d'ailleurs idéologiques, euh, d'une de, de, telle attaque, puisque je, ne, je me refuse à voir euh, euh, le seul effet du hasard. Donc, euh, Simultanéité dans la chronologie des événements. Euh, en, cette attaque lancée contre Monsieur Augier, proche de Monsieur Hollande, et l'affaire Cahuzac. Alors quel est le but politique de l'affaire Augier bah, le, le but politique n'est évidemment pas comme l'attaque de contre la livre sterling de la part de Monsieur Soros. Depuis Monsieur Soros, a, à la fois c'est un, un homme âgé, mais c'est aussi un homme dont l'ambition a, a grandi. Il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine d'un certain nombre de révolutions oranges, de révolutions colorées pas lui seul, il est un relais du département d'État américain, il dirige des politiques. Aujourd'hui, on peut supposer qu'attaquer M. Hollande, qui est déjà très affaibli dans les sondages, euh, qu'il est encore plus affaibli, qu'il doit faire face à, euh, à l'onde de choc d'une crise de régime, euh, que M. Hollande euh, n'apparaît plus comme euh, l'homme idoine euh, euh, pour euh, piloter euh, la France, qui reste malgré tout un grand pays de par son influence, euh, dans une, une époque de turbulence. Pensez à, à la crise qui se dessine euh, en Asie avec la Corée du Nord, mais également au Proche-Orient. On sait que euh, la, un certain nombre de conflits couvent. Euh, la, la question syrienne est très loin d'être réglée et pourra peut-être éventuellement se régler de façon militaire de, de la part de l'OTAN. Donc M. Hollande a fait preuve de son, fond, de, de son insuffisance professionnelle. Et, et certains ont peut-être envie de le dégager, non pas euh, par idéalisme, non pas pour euh, mettre un homme plus propre, euh, moins corrompu, mais un homme beaucoup plus habile. Peut-être, pourquoi pas, voir le retour de M. Sarkozy, qui lui euh, avait fait, était le bon élève de la classe atlantiste, et M. Sarkozy vient d'être blanchi. N'oublions pas aussi que il y a moins d'une semaine, l'un des patrons, euh, l'un des hauts fonctionnaires qui dirigeait l'enquête, des euh, hauts fonctionnaires de police qui dirigeait l'enquête sur l'affaire Bettencourt. C'est suicidé, suicide extraordinaire, et que dans cette affaire Bétancourt, ce suicide n'est pas le seul. Donc aujourd'hui, M. Sarkozy est blanchi, donc il est rendu à, à, à la scène politique. Alors on a également appris qu'un proche de Marine Le Pen, en l'occurrence l'avocat Philippe, Philippe Pénin, je crois, a reconnu avoir ouvert le compte bancaire du ministre, de l'ex-ministre du budget Cahuzac, en Suisse, en 1992. Alors là aussi, euh, rien de, de délictueux. C'est un intermédiaire. Euh... Euh, cela, cela ne prouve et ça ne montre qu'une seule chose non pas que le fn soit compromis dans les affaires de m. cahuzac ou qu'il y ait une collusion fnps. non, ça montre une, une seule et unique chose c'est qu'il y a une sorte d'homogénéité de la classe dirigeante euh, de, de l'extrême gauche à l'extrême droite. alors m. mélenchon ne sera peut-être pas très content mais euh, montrant que tous ces gens finalement euh, appartiennent euh, euh, au même réseau. Euh, fonctionnent en circuit fermé. Euh, certains ont, se sont connus sur euh, les bancs de l'ENA, d'autres euh, euh, dans les loges maçonniques, puisque aujourd'hui même, euh, le Grand Orient se réunit pour euh, statuer sur l'exclusion de M. Cahuzac. Donc on voit bien qu'il y a des réseaux souterrains, discrets, occultes, qui sont à l'œuvre, et pourquoi le, le Front National en serait-il exclu Seuls les Français peuvent penser qu'il y a des cloisons étanches, imperméables, idéologiques ou autres, entre les différentes composantes du pouvoir. – Alors, un article doubles Plenel de Mediapart, hier, parlait d'une mafia de l'évasion fiscale. Alors, on peut parler de mafia de l'évasion fiscale, mais enfin je crois qu'il faut parler de mafia tout court. Euh, dès lors que des, des réseaux qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas visibles, qui n'apparaissent pas aux yeux du grand public, euh, sont à l'œuvre, structurent ce pouvoir, euh, constituent des, des minorités agissantes et parfois des minorités dominantes, oligarchiques, oligopolistiques. Euh, il faut parler d'un fonctionnement. Le, le, le fonctionnement n'est plus transparent. Dès lors que le mensonge devient un outil que M. Bricolage en chef, M. Hollande, puisqu'il a dit qu'il avait une boîte à outils, peut sortir comme Super Mario, euh, on s'aperçoit que le mensonge fait partie du paysage politique et donc est devenu, euh, fait, est une composante du système. Alors sur ce paysage politique, on voit bien qu'entre la gauche libérale et la droite libérale, rien réellement ne les sépare. Alors, si il y a les, le, le mariage gay, par exemple, <laughs> les sépare, il y a un certain nombre. Mais tout ça, ce, ce mariage gay qui est en fait un... Mais est-ce que vous croyez, est-ce qu'il y a réellement en France encore, on peut parler d'un clivage gauche-droite Alors, il faudrait redéfinir les mots. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui Qu'est-ce que la droite aujourd'hui Ce qui les sépare Quelles sont les options Monsieur Cahuzac, mais peut-être. Le philosophe, par exemple, Jean-Claude michel lui parle d'une alternance unique, c'est-à-dire gauche-droite, c'est exactement la même chose. Oui, mais on parlait aussi au Front National, on parlait de l'UMPs. Pourquoi pas D'ailleurs, j'ai entendu une journaliste qui lançait un ballon d'essai en disant, mais il faudrait que la majorité présidentielle, aujourd'hui, dans un prochain gouvernement, appelant donc un remaniement gouvernemental, ministériel, introduise des gens qui viendraient véritablement du centre, voire de la frange gauche de l'UMP. Euh, les distinctions sont, sont très faibles. Euh, encore une fois, c'était le philosophe Confucius qui disait euh, qu'il fallait redéfinir les concepts. Euh, en politique, il faudrait aussi reclarifier, dire ce qui est à gauche, ce qui est à droite, et pas seulement les questions sociétales. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle affaire Alors, Les conséquences d'une telle affaire... Je parle des conséquences politiques. Hein. Alors, il faut savoir euh, qui est responsable et, et, et de quoi. Euh, il faut remonter euh, assez en amont. Hollande savait par exemple euh, Monsieur Hollande savait obligatoirement depuis euh, la mi-décembre. Euh, il y avait eu authentification par la DCRI de la voix et sans aucune euh, équivoque possible. Madame Taubira a dû être la première informée. Monsieur Moscovici, euh, supérieur hiérarchique, si je puis dire, en tant que ministre de l'économie, supérieur euh, au ministre du budget qui lui était subordonné, savait. Donc monsieur Hollande savait. Pourquoi n'a-t-on pas demandé immédiatement la démission de monsieur à Attendre, que le procureur général de Paris, qui est en fait un homme qui avait été nommé, c'est pas du tout parce qu'il euh, est indépendant en tant que magistrat, ça c'est un mythe, l'indépendance de la magistrature, mais qui avait été nommé par le la, la président par le précédent pouvoir, par M. Sarkozy lui-même, euh, a voulu se couvrir et donc il a lancé cette, ce qu'on appelait autrefois cette inculpation, c'est-à-dire cette l'ouverture, l'ouverture d'une enquête préalable et, 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 et ensuite d'une mise en examen. Mais donc tous ces gens savaient, il faut introduire la notion de responsabilité collective. On a couvert M. Cahuzac qu'il y avait un rapport dès 2008 qui montrait bien un rapport des, des services d'enquête fiscaux que M. Cahuzac Cahuzac était un homme sulfureux. Pourquoi a-t-on choisi M. Cahuzac pour occuper un poste aussi en vue alors qu'on savait qu'il venait de l'industrie pharmaceutique, comme Mme Bachelot venait d'ailleurs aussi de l'industrie pharmaceutique, et que les fonds qui qu'on a retrouvés en Suisse sur un compte, puis deux comptes, puis maintenant à Singapour proviennent vraisemblablement de cette industrie pharmaceutique. Justement, on parle d'un compte de 600 000 euros. Pour vous, cette somme est juste Alors, on pourrait avoir beaucoup euh, plus... Les Suisses et les banques suisses gardent jalousement leurs secrets. Euh, pour que le, la Suisse ait accepté euh, de déférer à une commission rogatoire française et, et, et lâche de l'information au compte-goutte, euh, elle ne s'est pas battue pour 600 000 euros. Euh, une rumeur, un chiffre circule, mais appuyé euh, par des gens tout à fait sérieux. On peut, Je vous renvoie au journal La Croix, par exemple. 16 millions D'euros. Vous voyez, ce n'est pas une bagatelle. C'est ce, les sommes aujourd'hui qui seraient. Qui, aurait, qui serait tombé dans l'escarcelle de M. Cahuzac de la part d'une industrie pharmaceutique qui est assez puissante pour mobiliser l'OMS, comme on a pu le voir du temps de Mme Bachelot, pour contraindre des populations des États entiers ou toute l'Europe à, à la vaccination et donc à engranger des bénéfices par milliards d'euros. Mme Bachelot aussi, il faut le dire, là elle est indemne de l'affaire Cahuzac, mais n'était pas indemne de, de soupçons légitimes de liens. Et d'intérêts croisés avec l'industrie pharmaceutique, par exemple. Alors tout à l'heure, vous parlez d'un fonctionnement oligarchique de cette élite en France. Comment qualifieriez-vous le système politique dans lequel nous sommes actuellement alors, le système politique n'a en fait, dès lors qu'il n'y a plus aucune transparence ou plus aucune visibilité, et, et la désinformation, c'est-à-dire au fond euh, une manipulation, mais qui n'est pas une manipulation pacifique des, de, de l'opinion publique, vient de très loin. Euh, cela fait beaucoup plus de 40 ans que l'on manipule les Français avec les chiffres du chômage, les chiffres de la criminalité, de l'immigration illégitime, illégale ou clandestine. Euh, et, et, dans bien d'autres domaines encore. Euh, les, les Français n'ont euh, non, non plus ce qu'on appelle en droit l'autonomie du consentement. Ils ne savent plus pour qui véritablement voter, puisque les partis propulsent et poussent obligatoirement le, leurs candidats. Donc, euh, en un mot, euh, on peut dire qu'il y a aujourd'hui une dérive totalitaire de la démocratie. Alors, on a vu dès le début de cette affaire euh, Cahuzac qu'un certain nombre de médias, de journalistes, ont soutenu Jérôme Cahuzac. Faut-il y voir cette connivence entre les politiques et les journalistes Oui, alors la connivence est évidente entre le quatrième ou le cinquième pouvoir, le pouvoir de la presse euh, qui, qui va soutenir Mordicus. On l'a vu dans, la, dans le cas de Strauss-Kahn. Euh, la parole était donnée principalement à ceux qui voulaient voir en lui un saint innocent. Euh, alors que M. Strauss-Kahn, ami proche de M. Cahuzac, euh, qui était l'un de ses soutiens, euh, montait comme un arracheur de dents. Euh, la presse n'a lâché le, le morceau que petit à petit et, et après euh, plusieurs inculpations, après plusieurs épisodes judiciaires. Et c'est seulement d'ailleurs en France, au moment de l'affaire du Carlton, où, où M. strauss a été, il faut le rappeler, inculpé pour inculper ses mises en, demain, euh, mises en, mises en examen euh, pour proxéditisme aggravé, ce qui n'est pas un petit délit ou une petite accusation. Euh, C'est à ce moment-là où le, la presse a, a, a mis un bémol à son soutien. Mais on a encore vu euh, sur certains euh, grands médias, euh, quelques journalistes dire que la France ne serait se passer de son talent immense et euh, appelant à son retour. D'ailleurs on tourne actuellement, Monsieur Depardieu tourne un film euh, le concernant à New York, ce pourquoi il n'assiste pas aujourd'hui à une audience correctionnelle pour une chute éthylique de son scooter, euh, c'est dire que M. strauss son aura n'est peut-être plus entière, mais, mais ses péchés euh, sont pas passe pour Véniel. On a vu d'ailleurs la troisième chaîne diffuser un très joli film de M. Miller qui nous montrait que tout ça au fond c'était des enfantillages. M. Strauss-Kahn étant une sorte de, de poète du vagabondage sexuel et qui est donc comme étant des, des écarts aventureux qui ne méritent pas qu'on l'on fouette un chat. – Merci à vous Jean-Michel Vernocher. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Merci à vous, au revoir.